Monsieur le député de Nelligan, je vous cède la parole pour une durée maximale de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, le but de l'interpellation, c'est par rapport au sujet qui nous concerne tous, c'est à savoir répondre aux besoins du marché du travail. Et je vais faire juste un bref aperçu de ce que nous avons vécu un peu la dernière année avec le projet de loi adopté sous bâillon par le ministre de l'Immigration concernant le projet de loi 9. Donc, j'essaie juste de cerner un peu le mode de fonctionnement du ministre et du ministère. Et je me demande sur le comment ce ministère va répondre à la pénurie de main-d'œuvre, comment le ministère va faire l'arrimage. Mais quand je vois la façon avec laquelle le ministère fonctionne et le ministre, c'est que deux choses. Soit le ministre est incapable de faire avancer ses dossiers, mais qu'est-ce qu'il fait? Il bâillonne. Ça, ça a été pour le projet de loi 9. Ou bien, quand il fait des faux pas, il recule. Et on l'a vu ce vendredi avec le bonjour rail. Aujourd'hui, ce que je veux lui demander, Monsieur le Président, c'est que, avec l'adoption du projet de loi 9 et les chiffres que nous avons devant nous aujourd'hui, comment il compte répondre à la demande des régions? Comment il compte répondre aux besoins du marché du travail? Les chiffres que j'ai devant moi, Monsieur le Président, au mois de juillet, ça veut dire juste après l'adoption du projet de loi, 950 personnes ont été invitées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont eu leur CSQ, ont été invitées au mois de juillet. En mois de août, 444. Et au mois de septembre, uniquement 32 personnes. Et c'est là, Monsieur le Président, on se demande le pourquoi de cette lenteur au niveau du traitement des demandes envoyées par la plateforme Arima. Et le ministre, parfois, il nous répond, écoutez, il y a d'autres programmes, programmes de travailleurs temporaires. Et je rappelle encore une fois qu'en plein mois d'été, le ministre a mis un décret, un moratoire par rapport aux étudiants étrangers. Et le ministre a restreint le PEQ. Et par rapport aux étudiants étrangers, il y a maintenant une liste établie. Donc, le portrait global, et on le voit chaque semaine, des entreprises qui refusent des contrats, des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre, des entreprises qui quittent la province pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur du pays. Mais ce qu'on a devant nous, un ministre qui a mis en place un projet de loi, qui a tout le pouvoir discrétionnaire en sa possession, mais il n'arrive pas à livrer la marchandise au Québec, surtout en termes de main-d'œuvre qualifiée. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que le souhait du ministre, il était le tender de l'immigration et que ça va marcher rapidement et qu'on va avoir du monde en bas de 6 mois au Québec et qu'on va répondre d'une manière très rapide à la pénurie de main-d'œuvre. Les chiffres que j'ai devant moi, Monsieur le Président, ça ne rassure personne. Moi, aujourd'hui, ce que je demande au ministre, c'est d'être clair par rapport à ce qu'il va mettre en place pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans l'ensemble des régions du Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, le message qu'on envoie à l'ensemble des régions et à l'ensemble des entrepreneurs en région, qu'au mois de septembre, le ministère et le ministre ont permis uniquement à 32 personnes d'appliquer? L'autre question, Monsieur le Président, que je demande au ministre, combien de CSQ son ministère a délivré depuis l'adoption du projet de loi? Et donc, je lui demande plus de transparence par rapport à ces chiffres. Parce que nous demandons et nous questionnons le ministère, mais c'est très rare qu'on reçoive les réponses, Monsieur le Président. Donc, j'espère aujourd'hui que le ministre va avoir le temps nécessaire, non pas me répéter la même cassette pendant les 5 minutes, mais de me répondre et de répondre à la population. Combien de CSQ le ministère a délivré et comment il compte répondre réellement à la demande du besoin du marché du travail et pourquoi au mois de septembre il y a eu uniquement 32 personnes à qui on a envoyé une invitation.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, je vous cède la parole et je vous rappelle que vous disposez de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver le député de Nelligan sur des dossiers d'immigration. Vous savez, on a passé beaucoup de temps ensemble dans le cadre du projet de loi 9, hein, la loi qui visant à réformer le système d'immigration, et je suis convaincu que j'aurais pu m'entendre avec le député Nelligan s'il avait été porte-parole, parce qu'il savait l'importance de faire en sorte d'arrimer les besoins du marché du travail avec le profil des candidats à l'immigration. Mais rappelons les faits, Monsieur le Président. Vous savez, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui, l'immigration peut constituer l'une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas la seule solution, M. le Président. Mais une chose que nous, ici, on a compris du côté de la Chambre, ici, c'est que lorsqu'on sélectionne une personne immigrante, il faut qu'elle puisse avoir un travail à la hauteur de ses compétences. Il faut qu'elle soit sélectionnée en fonction de son profil, en lien avec un emploi disponible. Or, M. le Président, durant des années et des années et des années du Parti libéral, M. le Président, on n'a pas réformé le système d'immigration. On ne s'est pas assuré que les personnes qui allaient être sélectionnées allaient pouvoir travailler en fonction de leur expérience, en fonction de leurs études, en fonction aussi de leur passion. Parce que ça aussi, M. le Président, on oublie là, de le dire. Lorsqu'on choisit un métier, souvent, on choisit ça parce qu'on a des intérêts, on aime ce qu'on fait. Alors, les gens travaillent dans des milieux, dans leur pays, on leur disait « Venez au Québec, vous allez pouvoir occuper un emploi que vous aimez. » Alors, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait des taux de surqualification de 59 %, Monsieur le Président, au cours des 5 dernières années. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces chiffres-là, ce sont le bilan du Parti libéral, Monsieur le Président. C'est pas sérieux. Dès le moment où je suis arrivé, j'ai agi. Et c'est pour ça qu'on a déposé le projet de loi 9. C'est pour ça qu'on a fait en sorte de suspendre temporairement le programme d'expérience québécoise pour faire en sorte de nous assurer que les emplois disponibles, les formations en demande, répondent aux besoins du marché du travail. Et vous savez, M. le Président, lorsque je suis arrivé comme ministre de l'Immigration, bien, j'ai pas trouvé la maison en ordre, M. le Président. J'ai pas trouvé la maison en ordre et ça me désole. Je suis convaincu que si le député de Nelligan avait été là, ça aurait été beaucoup plus en ordre. Parce que je sais que c'est un homme qui souhaite que les choses soient bien faites. Et c'est pour ça que je sais qu'au fond de lui-même, il adhère à la réforme que le gouvernement fait. Vous savez, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait un inventaire au niveau provincial et au niveau fédéral d'un nombre de dossiers importants. Un taux de chômage plus du double chez la population immigrante issue depuis moins de 5 ans. Taux de surqualification de 59 %. Pour moi, M. le Président, c'est un gaspillage de talent. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé le projet de loi 9. Le 27 juin, on a lancé officiellement le programme ARIMA, la plateforme ARIMA, M. le Président. Et qu'est-ce qu'on a fait? Fidèle à notre engagement, fidèle à la parole qu'on avait donnée ici en cette chambre, on a invité prioritairement les 3 700 demandeurs qui étaient présents au Québec lorsqu'ils ont fait, ils ont déposé leur candidature pour faire en sorte que s'ils étaient déjà au Québec, on les invitait prioritairement. Aussi, M. le Président, on s'est assuré au cours de l'été de faire en sorte qu'on investisse massivement en francisation des personnes immigrantes. Ensuite, on a annoncé un parcours d'accompagnement personnalisé pour s'assurer que chaque personne immigrante puisse occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences, M. le Président. Ce qu'on mise, là, M. le Président, c'est l'intégration. Le député Nelligan nous dit, écoutez, on devrait accueillir davantage d'immigrants au Québec. Or, au cours des dernières années, c'est ce que le Parti libéral a fait, mais sans déployer les moyens et les ressources pour s'assurer que lorsque les personnes choisissent le Québec, on puisse leur tendre la main, on puisse leur dire « Bienvenue, voici de quelle façon on peut vous aider, vous accompagner dans votre démarche d'intégration au Québec et dans toutes les régions du Québec, M. le Président. » Et j'ai eu l'occasion de le dire aujourd'hui à la période des questions, on a annoncé de nouvelles ressources en Montérégie, en Abitibi, au centre du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour faire en sorte que le ministère de l'Immigration soit sur l'ensemble du territoire québécois. Pas uniquement à Montréal, parce que vous savez, M. le Président, si le député Nelligan se soucie des entreprises dans les différentes régions du Québec, bien, il devrait appuyer la réforme qu'on fait pour prioriser les offres d'emploi qui sont en région, prioriser le maillage entre les candidats à l'immigration et les offres d'emploi qui sont disponibles dans les différentes régions, par le biais notamment du parcours d'accompagnement personnalisé. Alors, M. le Président, on va ouvrir 40 nouveaux bureaux du ministère de l'Immigration, et j'en suis très fier, parce que ça faisait longtemps qu'au ministère de l'Immigration du Québec, il n'y avait pas eu de l'action, et que le ministère de l'Immigration ne retrouve pas sa place centrale
pour la société québécoise d'intégrer, d'accompagner et d'accueillir correctement les personnes immigrantes. Alors, j'espère avoir l'appui du député Nélia là-dessus. Merci, M. le ministre. Je cède la parole à M. le député Nelligan pour votre droit de réplique. 2 minutes. Merci, M. le Président. Je confirme, nous avons eu l'occasion de passer beaucoup de temps ensemble par rapport au projet de loi 9. Mais aujourd'hui, je suis déçu, M. le Président. Vous savez pourquoi je suis déçu? Parce que le ministre, ça fait une année qu'il est à la tête du ministère. Et je lui ai donné une chance de répondre à des questions directes. Ce qu'il a fait, M. le Président, le ministre, il a répété la même cassette. Aujourd'hui, ce n'est pas à moi de répondre, et c'est le ministre qui doit répondre à la population. Il parle de déclaration d'intérêt. Monsieur le Président, est-ce que le ministre a le courage aujourd'hui de dire à l'ensemble des Québécois que dans la plateforme Arima, où il y a 120 000 demandes, son ministère était capable juste d'inviter 32 personnes? Est-ce que c'est ça le succès pour lui? Est-ce que c'est comme ça qu'on va répondre aux besoins de la main-d'œuvre? Monsieur le Président, je tiens à lui rappeler un autre chiffre. 140 000 emplois vacants en date d'aujourd'hui. C'est la FCU qui l'a déclaré. Et encore une fois, pour répondre à la demande de son collègue, le ministre de l'Emploi, l'immigration, qui fait partie d'une des solutions, doit répondre à hauteur de 23 %. Ça veut dire 28 000 personnes. Monsieur le Président, depuis tout à l'heure, le ministre nous dit... Le Parti libéral veut davantage d'immigrants. Moi, je vous dis, Monsieur le Président, je dis juste au ministre de répondre adéquatement à la demande du marché de travail. Il est incapable, en date d'aujourd'hui, de répondre à cette demande. Est-ce que le ministre de l'Immigration est fier aujourd'hui de dire que son ministère de l'Immigration a envoyé uniquement 32 demandes au mois de septembre? Est-ce que c'est avec ça qu'on va démontrer que son projet de loi 9 sans tender de l'immigration, aider nos régions? Aujourd'hui, Monsieur le Président, ce que je constate malheureusement, le ministre de l'Immigration délaisse nos régions. Merci, Monsieur le député de Nelligan.